chaque fois que dans situation de dépenser comme nous pas gagner, c'est banque centrale que nous obligé recourir à lui, ça nous relait financement monétaire. Nous prenons l'argent que nous pas gagner et à partir de ce moment nous augmentons aussi nos dettes vis-à-vis de la banque centrale. Donc là maintenant, le sale a des conséquences parce qu'on vient une masse de monnaie encore plus une quantité d'argent qui est beaucoup plus important que l'économie en mandé et créer inflation. Inflation, bah, ça aurait les dépréciation de la monnaie aussi parce que l'un des deux économies, deux gains des taux d'intérêt différents, chaque taux d'intérêt moins élevé, il y a plus de chances que monnaie ne pas apprécier par rapport à l'autre. Là. Je dis que nous avons de sérieux problèmes au niveau du budget. On a eu par exemple un déficit budgétaire autour de 7,3 milliards de gouttes. Faut que nous restions hémorragia pour permettre aux Haïtiens. Comme nous sommes ces trois dernières semaines, nous parlons de dépréciation, goût de l'arrêté stable. Nous souhaitons que l'ensemble d'événements qui permettent nous apprécier encore plus. Et sa décision, ça, c'est faire que, par exemple, Goudla, avec le temps, a gagné beaucoup plus de valeur. Toutes les fois, on se retrouve maintenant à partir d'Haïti ou à produire, ou encore, par exemple, pour l'année, une stabilité non seulement de la monnaie, mais aussi stabilité politique et sociale. Donc, ça n'a pas une politique de contrôler taux de change. Cependant, la politique de la banque centrale, c'est veiller à ce que la stabilité qui existe. Ça m'a mis en sorte d'expliquer. Il y a des facteurs structurels que de toute manière, il faut nous gérer. Ça veut dire que déficit, balance de paiement, ça veut dire que nous importons en plus, beaucoup plus que nous exportons. Et la production locale n'est pas suffisante de façon à ce que nous n'ayons pas de pays à manger. Donc nous avons un déficit là, il faut nous réduire. Mais il y a l'autre facteur, facteur qui, l'un que vous dépensez plus que son gain, et que qu'on a plus de gouttes qui dans le système non, par rapport à dollars qui gagne. Donc, qui fait que le taux de change, en fait, équilibre n'est pas établi et que le taux de change est obligé de déprécier. Maintenant, ça que nous sommes fait là, nous retirer il y a un facteur qui est sous contrôle. Et facteur ça, pas le permettre que il n'y a pas tout autant de gouttes que ça au cap circulaire ou bien gouttes cap circulaire sous contrôle. Donc, la politique monétaire et que BRH a fait a permettre que la stabilité au niveau de Goudla et empêcher que Goudla continue à déprécier. Et maintenant, si discipline ça, justement, nous allions avec production, nous allons certainement faire Goudla apprécier.